pas de casse, Bill. À la semaine prochaine. D'accord, salut. Merci. Je manque d'entraînement. Fermé pour cause de maladie? Quoi? Mon Dieu! Jenny? Peter? Peter, tout va bien? Oui, maman, ça va. Oui, Jenny? Oh, elle est allée voir le docteur. Qu'est-ce qui lui arrive? Elle était toute recouverte de boutons et elle a vomi toute la journée. Je vais appeler le docteur. Elle est pas chez lui, maman. Alors où est-elle? Si je te le dis, est-ce que tu me promets de pas me disputer? Qu'est-ce que vous faites sur la chaussée à hurler comme ça? Il y a une fille dans la décharge, elle est blessée à la tête, elle saigne. Bon, on va y aller, calmez-vous. Qu'est-ce que vous faisiez dans la décharge? C'est pas un terrain de jeu, vous savez. Dépêchez-vous, elle risque de mourir. Montez. D'accord, calmez-vous. Elle ne doit pas être bien blessée si elle peut encore marcher. Ah, comment est-ce qu'elle s'appelle? Alana. Alana quoi? J'en sais rien du tout. Bah, c'est une amie à vous? Je fais sa connaissance ce matin, il faut la retrouver. Attendez, elle était chez elle. Où est-ce qu'elle habite? Nulle part, elle venait juste d'arriver. D'où venait-elle? Je l'ignore, elle m'a dit qu'elle venait du... D'où venait-elle? Du futur. Quoi? Je sais que ça peut sembler fou, mais elle a dit qu'elle venait de l'an 3000. Eh, je vois. Et sa capsule temporelle égarée dans le coin. Oui, c'est ça. Je veux dire, non. Elle a été détruite par un bulldozer et maintenant elle est coincée ici. Vous devez absolument me croire. Maman, j'ai les bras en compote. C'était ça ou une bonne fessée? Où étais-tu passée? Oh mon Dieu. Elle a eu des problèmes, monsieur l'agent? Je l'ai trouvé en faisant ma ronde. Elle a dû participer à une bagarre. Menteur, je vous ai dit ce qui s'est passé. C'est elle qui a fait ça, votre uniforme? Nous vendons un très bon détachant spécial tissu. Peter, toi, tu te tais. Je suis désolée, est-ce qu'il y aura des suites? Pas cette fois, je vous laisse régler ça entre vous. Et toi, que je t'y reprenne pas, sinon ça pourrait bien chauffer. Je suis vraiment désolée. Jenny Kelly! Je n'ai rien fait de mal, je voulais simplement l'aider. Aider qui? Alana, Peter et moi l'avons trouvée dans le garage. Elle a dit qu'elle venait du futur. Oh, vraiment? Maman, tu dois me croire. Pourquoi te croirais-je? Parce que je suis ta fille et que je dis toujours la vérité. Oh, et ça, c'est quoi? Mais ça, c'est différent. Il fallait retrouver la capsule temporelle. C'était urgent. Arrête de mentir. Tu ne fais qu'aggraver ton cas. Mais je ne mens pas. Ça suffit, Jenny. Lorsque je te confie le magasin, j'aimerais bien te trouver là à mon retour. J'en ai marre de cette sacrée magasin. Va dans ta chambre. Oh, je voulais pas faire ça. Dégage. Je ne veux pas te revoir avant demain matin. Si tu continues à agir comme une gamine, c'est comme telle que je te traiterai.
Va voir si ta sœur veut manger quelque chose. Hé, l'animal. Dehors, petit morveux. Qu'est-ce que je t'ai fait? Peter, j'ai dit dehors. Maman, Jenny n'a besoin de rien. Tiens, prends ça. Ici Mark Johnson qui vous parle d'un laboratoire d'expérimentation américain. Y a-t-il une vie sur les autres planètes? Certaines personnes pensent que oui. Et ici, dans ce laboratoire secret, certaines facilités ont été mises au point pour le cas où des petits hommes verts venus de la planète Mars décideraient de nous rendre visibles. Dépêche-toi, maman, il y a des extraterrestres à la télé! Toutefois, en cas d'urgence, tout le plancher du laboratoire peut être chargé d'électricité à haut voltage. Ça peut sembler quelque peu inhumain, mais... Il faut reconnaître que c'est absolument stupéfiant. Avec ce système, nous n'avons plus rien à craindre de ce qui vient de l'espace. C'est horrible! Maman, on peut pas prendre de risques avec les extraterrestres. Très impressionnant, vraiment très impressionnant. Nous constatons avec plaisir les progrès des scientifiques. Alana! 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 Je ne t'ai pas tout dit à propos de ta mission. Je vais retourner en l'an 2500 afin d'essayer de découvrir la cause du grand désastre. C'était une époque violente et dangereuse où pratiquement toute vie a été supprimée de la planète. Si je ne reviens pas, je voudrais que tu saches que même si on ne l'a jamais laissé à voir, je t'aimerai toujours autant. Jenny Kelly? Alana, je ne t'ai pas tout dit. À propos de ma mission. Qu'est-ce que c'est? Un enregistrement holographique, tu ne risques rien. Afin d'essayer de découvrir les causes du grand désastre. Mais qui est-ce? Tout lista, mon tuteur. Déconnexion immédiate. Oh, c'est pas croyable. Mais tu dois faire voir ça à ma mère, comme ça elle me croira. Pourquoi tu t'es sauvée? Quand je me suis réveillée, tu n'étais plus là. Alors j'ai pris peur et je me suis sauvée. Mais tu es blessée? Comment as-tu fait pour soigner ta tête? J'ai utilisé mon transkinèse. Quoi? Il focalise les pouvoirs de mon cerveau. Regarde droit dans le cristal. Va-t-il se passer? Détends-toi. À mon époque, je m'entraînais à devenir guérisseur. C'est un traitement très facile. Il faut que tu m'aides. Essaye d'imaginer que la plaie se referme. Quoi? Tu viens vraiment du futur.
Une fille du futur qui a atterri chez moi. C'est la chose la plus excitante qui ne soit jamais arrivée. Ce sera super. Je vais te faire visiter la ville. On ira à l'école ensemble. On deviendra amis. Tu verras, tu aimeras vivre avec nous. Que se passera-t-il si ta maman ne veut pas de moi? Oh, t'inquiète pas, maman est très gentille. Mon Dieu, c'est gosse. Peter! Je crois qu'il vaut mieux attendre demain. Je vais te conduire à notre cabane. Tu resteras ici jusqu'à ce que maman aille se coucher, ensuite je viendrai te chercher. J'ai mis mon alarme anti-extraterrestre. Va te coucher, Peter, il est déjà très tard. D'accord. Kidnapper Jean. Quand j'en aurai fini avec elle, elle va regretter qu'il ne l'ait pas fait. Ils ont kidnappé aussi ma maman. Maman? Qu'est-ce que c'est que ça? N'aie pas peur, c'est imaginaire. Bien, mais qu'est-ce que c'est? Une projection holographique du monde de l'an 3000. Oh, oui, bien sûr. Que je suis bête. Maman, voici Alana. Ne me dis rien, c'est le voyageur du temps. Tu veux bien me croire? Alana, ma maman. Salut, maman. Appelle-moi Irène, et je ne crois pas un mot de tout ça. Il faut envoyer des tanks et des chars lance-flammes. C'est une invasion. Les extraterrestres ont enlevé ma maman. Ils risquent de lui faire un lavage de cerveau. Je les laisserai pas faire. Je les aurai. Il faut la garder avec nous, maman. Elle est géniale. Elle a soigné la blessure sur sa tête et celle de maman. Regarde, il n'y a plus rien. S'il te plaît, maman, elle ne sait pas où aller. Jenny, je vais réfléchir. Alana, est-ce que tu t'es sauvée de chez toi? Non. Bien. Est-ce que tu as des problèmes? Maman, je te l'ai dit, elle... Jenny, tais-toi. Alana, est-ce que tu as une famille que je puisse contacter? C'est d'accord, trésor, nous allons t'aider.
Tu resteras ici cette nuit. Et nous nous aviserons demain matin. Le périmètre de défense est bientôt prêt. Allez-y les extraterrestres, je vous attends. Des crétins. Qu'est-ce qu'elle fait chez nous? Elle vient vivre avec nous. Quoi? Elle vient du... D'un autre pays. Elle vient étudier chez nous et tu as pratiquement failli la tuer. Je veux pas qu'elle reste chez nous. Elle est bizarre. Que tu le veuilles ou non, ça m'est bien égal. Moi, ce que je veux, c'est que tu ranges cette pièce et que tu ailles te coucher. Venez, les filles. Est-ce qu'Alana peut dormir avec moi? Oui. D'accord, descendez un matelas et va chercher le sac de couchage de Peter. Ah oui, d'accord, j'ai... Maman, Alana a faim. Bien, prépare-lui un encas et qu'elle monte le manger dans la chambre. J'ai besoin d'un peu de tranquillité. Peter, dépêche-toi de te coucher. Merci, Irène. De rien. Comment te sens-tu? Bouleversée. Tu n'es pas la seule. Pourquoi ne pas dire la vérité à Peter à propos de moi? Je ne suis pas sûre de connaître la vérité moi-même. Et si Peter apprenait que tu viens du futur, nous aurions tous les voisins à la maison dans les 10 minutes, tu comprends? Tu as eu une réaction stupide, Peter. Tu aurais pu blesser quelqu'un. Je m'excuse, maman. Il faut que tu apprennes à contrôler ton imagination. Bonne nuit. Bonne nuit. Peter, est-ce que les animations holographiques sont déjà inventées? Ah non, je pense pas. Pourquoi? Pour rien. Bonne nuit. Bonne nuit. Je ne contrôle pas encore très bien mes pouvoirs. Oh, tu pourras m'apprendre à le faire. Il faut une grande concentration. Je vais me concentrer, je te le promets, s'il te plaît, s'il te plaît. Alors, les filles, il va falloir éteindre le... Ah! Mais qu'est-ce que vous êtes encore en train de faire? Cette fois, je crois que c'en est trop. Je ne sais pas ce que c'est que cet objet, mais je t'interdis de l'utiliser chez moi. Je ne sais pas qui tu es, Alana, mais jusqu'à ce que je le découvre, je veux que tu te conduises comme une enfant normale de ton âge. Je ne veux pas que tu parles à personne de tes hologrammes, de ton futur, de tes voyages temporels, de ton ordinateur parlant, ni de quoi que ce soit. Maintenant, je vais me coucher. Bonne nuit. Et une dernière chose, je vous interdis de dire un mot de tout ça à Peter. Je savais que c'était une extraterrestre.